Aujourd'hui, une aventure commence pour Seb et Maggie. Ah, super combo, les bouche-trous et super nanny en même temps. Les gros cons, j'en ai deux dans ma voiture, hein. Concentre-toi sur la route. Cannabims, travaille ton trabibs. Il y a plus bigloche que moi qui ne pourra pas trouver. Allez. Vous avez du sopalin? Allez, lève la papate. Faut mettre du WD-40. Toi, tu vas prendre un coup de canne sur la gueule. Mais ils sont cons, hein, la mienne. Chambre. 2h du matin. Quand vous écoutez Nani, il faut faire comme Maggie. Le chien sur la plage arrière. Ouais, c'est ça. Mais tu n'es pas rentré. J'ai resté. La fenêtre de chambre, vous avez réalisé son trucage. Ça change un peu parce que tu sais. C'est l'odeur qui dérange. Allons les moussaillons, Captain Iglo. Arrête, t'es pas gentil. On essaye de faire un resto claquette, on n'y arrive pas. Je t'ai jamais vu marcher aussi vite toi. Quand c'est le moment de l'addition, tu te casses, hein. Ça fait du bien, hein, de pas l'entendre. Avec Jacouille, la fripouille, je fais des nouilles. Des pâtes fraîches. Pâtes fraîches, ouais. Avec un vrai laminoir. Alors, comme on est 6, on va faire 700 g de pâtes, 700 g de farine, 7 œufs. Il y a Maggie qui demande si ça... Oh, 2 minutes, on fait une recette jacouille. C'est bien, il y a la merde, attends. Racine. Et de l'huile d'olive, et une pincée de sel. 300, un petit puits au milieu. 3 œufs. Après, Un petit peu d'huile d'olive. Ah, il n'y a pas de... C'est juste un peu. Voilà. Il pourrait être nos enfants. Il faut étaler. C'est ça la différence de 5 minutes. Et en plus, alors il faut que ça fasse 20 cm de large. Non, 20 cm, c'est à peu près ça. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire des créneaux. Wow. On vient. Oh, c'est beau. Là, ça c'est pas bien ça. Ah là, il faut de la technique. Oh. Bah, c'est pas grave, je te prends ma tête. Regarde, non mais une marque dedans. Il y en a partout là. Ça va sur ton pied là. Oh. 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 Ah, ça s'en fout depuis 3-4 minutes, c'est prêt. D'accord. Il y a 12 jaunes d'œufs, il y a 4 barquettes de lardons, il y a du parmesan. Heureusement que l'évier est propre. Hein. Tu sais que c'est dans les éviers qu'il y a le plus de bactéries? Non, c'est les femmes de table. Ouais, mais les éviers aussi. Si tu veux, oui. Eh, en plus, on peut manger ça avec un dentier. Le 30 janvier 2024. Depuis une semaine, il fait beau. Nous rentrons dans la fin de saison cyclonique, donc la pire. Les eaux se sont réchauffées, le bassin pacifique s'active un petit peu. À partir d'aujourd'hui, on peut s'amuser chaque matin, il est 6h20, voir l'évolution de ce qui va se passer. Un premier phénomène d'ici 3-4 jours. Deux outils principalement. J'utilise moi Weather 4D. Il y en a qui utilisent maintenant de plus en plus Windy. Et maintenant, avec l'avantage de Starlink, on peut accéder à des sites web en pleine mer. Donc, Weather 4D, c'est quoi? Ça n'existe que sur Apple. C'est un système de routage météorologique qui vous donne plusieurs informations avec plusieurs modèles différents. Le modèle GFS, c'est américain. Le CNWF, c'est l'Europe. Les vagues, ainsi que le courant. Les précipitations, les orages. Vous voyez ici, c'est le Cape. Le Cape se définit par le nombre de joules par kilogramme. Précipitation, c'est les petites couleurs que vous avez en bleu. Et le vent, c'est les couleurs avec les petits barbules ici. Il faut créer une zone. Vous avez un onglet où vous définissez une zone. Moi, j'ai déjà fait celle pacifique, celle qui me concerne, en ce moment, de la Polynésie ici. Ça nous permet d'avoir une visibilité globale sur la zone pacifique. On zoome, on s'aperçoit qu'il y a des vents à 30 nœuds. En rafale, ça va monter à 35-40 nœuds. Et on la voit s'approcher de nous. Nous sommes toujours ici. On ne sera pas embêté par ça, mais juste au-dessus, une autre petite perturbation. Le 4, ça nous arrive légèrement dessous. Au centre,
40 nœuds annoncés. Une belle dépression parce qu'ils annoncent même jusqu'à 60 nœuds devant. Et elle a l'air de passer dessous. On va avoir chaud au Mich. À surveiller fortement. Donc que faire dans ces cas-là? Vent de nord-ouest. Nous sommes donc sur le modèle américain. Nous allons partir sur le modèle européen. Au même jour, le modèle européen n'annonce rien du tout. 8 nœuds devant, alors qu'au même moment, GFS annonce du 36 nœuds devant en rafale. Une telle différence est impressionnante. Nous avons 4-5 jours pour se préparer à ça et on va voir si dans les 4-5 jours, ensemble, le CMWF va changer leur fusil d'épaule. Et on va aller voir maintenant sur l'avionics. Le nord-nord-ouest, c'est là. Et nous, nous sommes là. Nord-nord-ouest. Pour moi, nous sommes protégés. En étant protégés du nord-nord-ouest, on sera protégé de la houle. Pourquoi ne pas aller, vous allez dire, dans la baie d'Oponou, la baie de Cook? Le seul souci de cette baie, c'est qu'il y a des vents katabatiques. Nord-nord-ouest, donc grosso modo ça vient de là, le vent pourrait s'engouffrer dans la baie ici avec un effet venturé, comme si vous pressiez un tuyau d'eau. Hors de question que j'aille là-bas, et encore hors de question d'aller du côté ouest de l'île. Sur Moria, pour moi, c'est l'endroit où il faut rester. Depuis hier du Haut Commissariat. Plusieurs minima dépressionnaires pourraient se former sur la période, mais à l'heure actuelle, il reste difficile de préciser davantage l'évolution future de ces phénomènes en termes de trajectoire et d'intensité, même si un déplacement dans une direction globale vers l'est semble probable. C'est ce qui se passe en ce moment. Cette zone-là, cette zone de convergence qui va redescendre et qui va prendre une diagonale, une dépression, deux dépressions, trois dépressions, quatre dépressions. Vendredi 2 février, ça empire. À partir de lundi, ça va souffler 30, 40, 50 nœuds en rafale, 30 nœuds constants. Mais le problème, c'est qu'après, regardez ce qui va se passer. Il va arriver ceci, deuxième dépression. Dépression tropicale, beaucoup plus forte que la première. C'est ce qui m'inquiète vraiment le plus, c'est qu'aucun modèle n'est d'accord sur ce qui va se passer. GFS annonce ça pour le premier. Le CMWF, ils annoncent ça. Par contre, ils sont d'accord sur une seule chose, c'est que ça va passer nord-ouest, nord-ouest, ouest. Ça va être chaud, ça va être très très chaud. On va commencer à préparer quand même Black Lion. Je vais faire un tour de Black Lion sur un périmètre de 50-100 mètres. Je vais regarder voir ce qui n'est pas de récif parce que le souci que nous avons là, là nous sommes bien, nous sommes dans du sable et tout, mais on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de chasser. Donc on a trois ancres que je disposerai à bon escient. La première principale, la spade, vous savez, notre nouvelle ancre. On a une autre phobe pour le sable qui est très très bien. Celle-ci elle est parfaite. Puis on a notre Rokna qui, vous savez, celle dont je n'ai pas vraiment confiance. Nord, nord-ouest, je vous explique. Le nord, il est là-bas. Juste comme ça, sur la pointe. Et pas longtemps, parce que la dépression va passer. Ça, par contre, ils ont l'air d'être tous d'accord là-dessus. J'espère qu'ils ne se trompent pas. Et ça va passer nord, nord-ouest, ouest. On sera face à cette petite colline. Ici, il y a du récif. Là, derrière nous, il y a du récif. Là-bas, il y a du récif. Je vais me mettre juste devant le petit bateau blanc. Je vais faire un petit tour, savoir si ça serait pas trop mal. On s'approche encore un peu plus de la terre. Plus on se mettra par là, mieux ça sera. Je pense qu'on va changer de place, aujourd'hui ou demain. J'ai une autre place qui n'est pas très loin de Black Lion, mais qui a toute son importance. Et entre le bateau et nous, il y a une place avec un mètre. Je me suis mis debout sous le sable, je ne pense pas que la houle se lève là. Et en étant plus proche là, on sera beaucoup plus protégé du nord-ouest. Vous voyez ici, on est un peu trop dans l'axe de la vallée. Et on aura un rayon d'évitage qui sera pas mal du tout. Mais t'as pas fini de te foutre un torchon à la place des soutiens-gorge? Bah oui, mais je ne vais pas leur montrer mes titous. Oh bah alors retire-le. Mon ami Eric, peut-être qu'il y en a qui ont connu, il a créé un site il y a 25 ans, 20 ans, 25 ans, ça, qui s'appelait Silicon Extreme à l'époque. Et il m'expliquait qu'en fait, c'était très très compliqué, quoi, et que le Pacifique manquait de données. Bonjour. Moins d'avions, moins de cargo, moins de bateaux. Donc il y a beaucoup moins de données et c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile à prévoir ces phénomènes. C'est quoi le fardage?
C'est un gros volume. C'est un gros volume qui fait six faces au vent, ça... Donc je peux pas me mettre dehors, moi. Toute la prise au vent, en fait. Plus il y a de prise de vent, plus il y a de fardage, et plus ça peut faire chasser le bateau aussi. Le code zéro, c'est pas vraiment un fardage, quoique. Et on va le retirer, parce qu'il faudrait pas qu'il se déroule pendant... S'il y a des grosses rafales de vent, 50 nœuds, c'est ce qui arrive assez souvent. Ranger au maximum de voiles légères. Souvent, on dit on affale le foc, mais le foc bien enroulé, ça risque rien. Les kayaks... Le fardage, il n'y en aura pas parce qu'on sera face au vent. Et vous voyez, toute cette partie-là, ça ne prendra pas sur les kayaks. On va sûrement attacher, on a encore demain, le taux. Lui, il a souvent résisté à des 50 nœuds. Hein, que je ne vais pas retirer la toile, on va le laisser. Et les poufs. Donc les poufs, on les mettra en place. Ah, c'est bien. Gros volume, fardage, pouf. C'est ma femme. Voilà, c'est toi. Code zéro est rangé. Mais ça prend du volume, hein. Ça fait chier cette bouée. Hein. Le bout, on peut pas laisser comme ça. S'il y a du vent, si ça tombe dans l'eau, ça se met dans la lisse, c'est pas bon. Hein. Faire plusieurs tours sur le foc pour éviter que la tétière s'ouvre. Vas-y encore. Ok, c'est bon. Les poufs, on va les retirer également. On va les mettre dans une chambre. Le ciel est en train de changer. Quand il y a un halo autour du soleil, c'est très très mauvais. C'est ce qui se dit dans le domaine météorologique de l'époque, de l'ancien temps. Poussez, madame. Poussez. Ça, c'est susceptible de s'envoler. Les poufs dans la chambre. Vas-y, mets la tête dedans. Mais t'as qu'à la mettre, toi. Mais c'est toi, la pouffe. Ça fait plus rire personne. Mais non, là, mais là. Après, ça sent l'humidité. Tu le mets encore un peu au soleil. Ça sent l'humidité. Je m'en mets s'il pleut dessus, ça va chier. Mais non, je le mets sur la terre. J'ai pas envie que ça pue l'humidité dans le bateau. Parce que j'accouille veut, j'accouille A tout le temps. Non, jamais c'est les pas autres. Toi qui nettoie la moisissure après. Alors non. Tu vas me nettoyer, tu vas voir. Ouais, c'est ça. T'es quand même nettoyer la moisissure dans tes chiottes, ouais. Alors, je vais juste me déplacer d'une cinquantaine de mètres. Bon, on est bien là. Bon, j'accueille, t'as vérifié. Il y a un mètre sous la quille. Là, on est exposé sud-est. Bon, on va arriver de là. Donc, on va atterrir là-bas. On a 40 fois la hauteur du fond. Avec la spade pour l'instant, et on mettra une autre entre. Demain, nous allons ranger les mousses. 48 heures du jour J. Avant, Black Lion était ici. Nous nous sommes déplacés seulement de 50 mètres. Vous allez me dire, mais pourquoi s'être mis aussi près du récif? La dépression qui va arriver, elle va tourner dans ce sens, comme ceci. Et elle devrait passer sous Moria. Donc elle va tourner comme ceci, ce qui va nous apporter du nord-ouest. Par rapport à la photo, le nord-ouest, il est à peu près ici. Vous voyez, ça va descendre ici, nord-ouest. Ce qui veut dire que nous, on va se retrouver Black Lion ici. Nous allons nous retrouver par là. Et ça, pendant quasiment 10-12 jours, si les prévisions sont exactes. Donc, Black Lion est ici. Et nous avons mis 40 fois la hauteur de profondeur en chaîne. C'est-à-dire que à peu près, je crois qu'on la voit ici, l'encre, voilà, on va dire que c'est une encre là, elle est à cet endroit là et la chaîne est ici. Quand il va y avoir la tournante lundi dans la journée, Black Lion va faire tac 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 et va se retrouver là. Nous avons pris une marge de sécurité, vous voyez ici, et le vent va souffler fort là comme ça, touch, 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 comme ça jusqu'à 40 nœuds. Donc nous allons être protégés, vous voyez, de ce petit bout de terre. Pourquoi avoir bougé à cet endroit-là? Nous étions donc ici. Le problème de là, vous voyez, là, il y a la marina de Vallaré et là, il y a la vallée. Nord-ouest, il y a cette colline-là. Mais le vent dans la vallée va pouvoir se faufiler d'ici. Comme ça. Et avoir un effet venturi, avoir beaucoup plus que prévu par rafale. Le fait de venir légèrement ici, on peut être protégé par ce petit bout de terre-là. Comme ça. Et je compte bien que ça nous protège. Donc le vent va passer nord-ouest et va passer ouest. L'ouest est ici. Pendant plusieurs jours, on va être très très bien protégé ici. Il n'y aura pas de vagues, évidemment, si les prévisions sont exactes. Évidemment que nous sommes allés plonger ce matin. Nous avons fait un rayon d'évitage. On est allé voir autour. Donc toute cette partie-là. Toute cette partie-là. Nous n'avons aucun récif, aucune patate, rien du tout.
tout, nous allons faire gaffe que ça souffle pas fort sud, évidemment, parce que le nord est ici. Au début, ça va souffler nord, ça va passer nord-ouest, ça va passer ouest. Et le sud est là. Donc, il ne faudrait pas que la dépression remonte, que ça soit du sud, parce que là, je serai un peu en stress, évidemment, puisqu'on aura le récif derrière là. Donc, on a mis 40 mètres, et demain, on va aller rajouter une deuxième ancre à peu près 50-60 mètres pour une sécurité supplémentaire. Nous avons commencé à ranger Black Lion, la jacouille, elle a la belle vie. Nous avons rangé les poufs. Qui sont là. Non, je suis là. Au fur et à mesure, bah, nous préparons Black Lion, on ne pourra pas faire plus. Donc voilà, c'est ma décision à moi personnelle. Samedi 3 février, deux jours avant Impact. Regardez. Le calme avant la tempête, c'est souvent comme ça. Il y a eu un avis encore de Météo France. Tout a été en faveur pour qu'une dépression ou un cyclone se forme. Donc là, c'est très calme. Demain, c'est encore calme. Et à partir de lundi, 31 nœuds en rafale. Par contre, il y a un truc qui m'embête, c'est que ça remonte légèrement. Quand c'était bas comme ça, on avait du nord-ouest de suite, il risque d'y avoir une renverse. Quand on est très bien protégé là où on est, sauf au début. C'est les premières heures qu'il va falloir se méfier. Nord-ouest par grain, constant, nord-ouest, qui va durer pendant un petit bout de temps. Le CMWF, qui n'annonce rien du tout, ben, eux, ils annoncent un peu plus un petit phénomène dépressionnaire. Et GFS, rien du tout. Nous allons placer une deuxième ancre. On va prendre notre Rokna en pennelé, je dis bien en pennelé, c'est-à-dire que vous avez votre ancre principale. Quelques mètres avant, sur une chaîne, vous balancez une autre chaîne comme ceci, de 3, avec 3 à 5 mètres, donc il y en a une en diagonale. Mais je vais faire le choix de mettre une deuxième ancre avec un câble et de la chaîne que je lâcherai au cas où si on venait à chasser. Aïe, mon pied ! Il coule le bout. Banane. Bon, il faut qu'on vous avoue qu'on dort pas très très bien. Et puis j'ai mon capitaine qui est vraiment en souci quand même. Ouais, je commence à être en souci sérieusement. Il faut vraiment qu'on s'arme de résilience. Le phénomène est remonté en fait, contre toute attente. Donc on va voir du nord-est au départ. Donc nord-est, on va être exposé au large. Pas très fort, 15 nœuds, 20 nœuds cette nuit en nord-est. Vers 11h midi, ça va passer nord-est au plus fort. C'est ce qu'annonce GFS. ECMWF. Ce que j'aime pas, c'est qu'on se retrouve dans l'œil. C'est une dépression. Ce qui m'embête vraiment là-dedans, c'est la suite des événements. Plus ça va aller, et plus la zone va être perturbée. Regardez. Le pire est à venir. Et j'avoue que je suis un peu en stress. Tout est réuni pour que des systèmes se forment. Ça sera pire encore. On va se déplacer un peu plus à tribord. A priori, le vent va souffler plus longtemps dans ce sens. Ce qui va nous pousser le cul ici. Et si on reste par là, il y a des récifs là. Et ils ne se sentent pas rassurés. Donc si on se décale un petit peu par ici, vous voyez là, il y a un banc de sable. Qu'on sera plus le cul au sable. Oui, on se déplace de quoi, 10 mètres? Oui, pas beau, pas énormément. Mais ça peut faire toute la différence, quoi. Ah, je vous dis, les bananes, il y a des jours comme ça, il y a l'angoisse qui vous prend au ventre. Je viens d'avoir un message de Jonathan, il vient de se faire attaquer par les orques, il y en avait 4-5. Il se déroute vers Tanger, il est avec un équipier. Apparemment, il me dit qu'il n'y a pas de dégâts. On est un peu en stress, là, aujourd'hui. Hein. Voilà, la vie de bateau, on vous ment pas, nous. Hein. On vous dit la réalité, la vérité. Advienne que pourra. J'ai rajouté une patte doigt à Black Lion. Du coup, j'ai doublé les taquets. Ce taquet-là, avec le taquet de l'autre côté, et une patte doigt de fortune. Nous avons également préparé la troisième ancre. Elle est là, avec au moins 50 mètres de route. On est 9 bateaux au total à ce mouillage-là. Alors ça m'embête un peu parce que ça a soufflé un peu nord-est, c'était pas prévu parce que la dépression remonte. La résilience, me dit ma jacouille. Quand on a commencé notre voyage, on connaissait les risques. On a mis la baume au milieu. On est complètement désemparés. Dernier message de Jonathan.
C'était à 7h49, il est 9h20. On n'a pas de nouvelles là. Ça doit être le temps de faire les papiers et tout. C'est bon, on a des nouvelles de Jonathan. Il est arrivé à Tanger. Tout va bien. Ils font les papiers et puis le bateau, a priori, il n'y a rien. Jamais j'aurais pu croire qu'il se ferait attaquer. Je lui avais dit surtout tu débrayes le pilote et tu lâches la barre. Parce que les orques jouent, tapent dans la barre. Il y en a qui ont fait l'erreur en fait de tenir ou de laisser le pilote de tenir la barre et tout. Et en fait, il faut laisser la barre tourner. Et il a bien géré parce qu'il m'a dit que quand l'orque poussait le safran à fond, qu'il arrêtait de jouer, hop, il la remettait au centre pour laisser de la marge. Pour pas qu'elle puisse péter de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Si le safran fait comme ça, pas qu'elle passe comme ça. Donc il remettait comme ça. Il faisait nuit, ils ont pas eu le temps d'aller voir. Ils ont vite regardé vite fait. Et demain matin, on en saura plus. J'espère qu'ils ont pas tordu le tube de Jaumière. Qu'est-ce qu'on fout sur un bateau? Sérieux? J'en suis arrivé à un point, je n'ose même plus regarder la météo. Bon, bah, je regarde la météo, puisque vous avez assisté. Ça, je n'ai pas le choix. Analyse du jour, bonjour. C'est la merde. La dépression est donc montée. Tac, 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 elle est remontée. Et ben, le vent va souffler. N'en reste pas. Ici. Et moi, si j'étais là, c'est que j'espérais que le vent souffle nord. Et ensuite, après, nord-ouest. Nous sommes ici. Nous avons mis deux ancres. Mais le nord-est là, est-ce que la houle peut rentrer? Je ne pense pas. Cet endroit-là, c'est une barrière de corail. La houle va taper dedans. Et par contre, oui, le lagon va se remplir. Donc, et il peut y avoir une élévation du lagon, ça c'est une certitude, mais est-ce qu'il peut y avoir de la houle dans le lagon? Je ne pense pas et surtout j'espère pas. Il faut qu'on tienne comme ça jusqu'à mardi, parce que mardi ils ont l'air de dire que ça passe donc nord-ouest, nord-ouest et même ouest. Et ouest, j'ai hâte qu'on passe ouest comme ça. S'il devait arriver quoi que ce soit par le nord-est, notre porte de sortie c'est ici sur la plage, partir à fond avec... avec l'annexe qui nous restera, notre bite et notre couteau. Et puis ma femme, tiens, oui, j'ai oublié ma femme. Je mettrai dans un bidon de survie. On va aller se reposer. Le petit jeune qui sont venus nous amener des crêpes. Ouais, ils sont mignons. Ils sont gentils, ces deux petits jeunes. Ils nous nourrissent maintenant. On va aller faire la sieste pour se reposer avant. On n'est pas obligé de tout leur dire non plus. Ils ont dit la sieste, on n'a pas dit faire même. C'est surtout demain que c'est annoncé, mais cette nuit ils annoncent du nord-est quand même. Donc sous grain, il est 15h47, l'air est très chaud. Nous sommes passés en vigilance orange depuis ce matin, pour Météo France. Le truc remonte encore un petit peu là. 100 km/h, donc 50 nœuds de vent. Elle remonte encore alors qu'au début il disait qu'elle descendait. Oh là, celle-là elle est énorme, heureusement qu'elle est basse. Hein. Faudrait pas qu'elle remonte. Oh là là, le temps de merde. Oh putain, mais ça s'enchaîne les unes derrière les autres en plus. 999 hectopascal. Donc je suis sur plein de sites différents. Alors, on devrait passer nord, nord-ouest, demain soir. Regarde un peu. Verra tout ce qu'on peut faire si on est deux. Quand on va revenir, tu te brosseras les dents. Ça me fera plaisir. On fait un petit tour ensemble les bananes. On appelle la pouf. Ah pouf, ah pouf. La pouf? Oui. Ah bah c'est reconnu, c'est bien ça. Yo, les bananes. Là, qu'est-ce que c'est? C'est un bidon étanche. Selon Eric, c'est étanche. D'ailleurs, Choupi pourrait mettre son rhum dedans. Choupi est plus étanche. On en avait un autre qui a cramé parce qu'on le laisse toujours dehors. Et là, c'est un gentil monsieur qui s'occupe de... des piscines. Il y avait c'était du chlore dedans. Donc je peux vous dire que c'est hyper étanche. Je vais mettre mon électronique, mon ordinateur, il rentre dedans, j'ai déjà essayé. On peut tout mettre dedans. Mes iPads, les papiers. Vous allez voir les piscinistes. Il nous l'a donné en plus. Hein. Pas en faire la bise. Tiens, merci. C'est gentil, tu fais la bise aussi. L'eau. Nous avons 60 litres d'eau au cas où, parce que vous savez que quand il se passe un truc comme ça, nous on a le dessal, mais l'eau va être impropre à la consommation, même dans le lagon. Nous avons toutes les lampes chargées. Alors faut arrêter de me les ranger, parce que la jacouille aime bien ranger, mais moi je les ai mis à portée de main, c'est important, au cas où. L'écoflow il est plein, mes batteries,
Elles sont pleines. L'annexe, j'ai rempli la nourrice. Laissez les bâches parce que le vent va arriver de face. On n'est pas en marina. En temps normal, on range toutes les bâches et tout quand on est en marina parce qu'on ne sait pas dans quel sens va aller. Mais là, Black Lion va être dans le sens du vent. Oui. J'ai démarré le moteur. Les moteurs démarrent au cas où. Il y a des cellules orageuses. Mais malheureusement, bah voilà, on aura besoin de l'électronique. Donc on a préparé toutes les amarres. Voilà, ça pourrait fermer. Hein. Non mais voilà, je trébuche dedans, dis donc. Alors, le piège. Et là-bas aussi, c'est ouvert. On a deux ancres à l'eau. Et bien, parce que je t'ai pas expliqué en plus. Celle-là, elle est prête. Il y a juste à la prendre et balancer par-dessus la patte d'oie, bébé, tu vois. On n'a pas attaché pour l'instant les panneaux solaires parce que le plus gros va arriver quand on va passer nord-ouest. On va peut-être les accrocher demain, non? Ouais, demain. On n'a vraiment pas beaucoup sous la coque, mais je pense pas qu'il y ait des vagues énormes. Si le lagon se remplit, il y aura plus d'eau. Ouais, mais il n'y aura pas non plus à mettre de plus. Hein. Eh ben, on sait jamais. On a mis la baume au centre. On n'a pas ferlé la grand voile. Au cas où, au dernier moment, on ferlera la voile. Une bonne nouvelle aussi, c'est que normalement, le coup de vent, on l'a demain dans la journée. La renverse de sud-ouest, ça nous permet de surveiller. C'est une très très bonne nouvelle parce que ça nous permet de voir. Comme vous savez, à chaque fois, ça se passe toujours de nuit. Normalement, on devrait bien dormir un peu cette nuit jusqu'à un moment où le vent se lève. Donc la mission, c'est si on venait à chasser, ben, c'est vite allumer les moteurs, aider au moteur. Les ordinateurs sont chargés, les iPads sont chargés, les téléphones sont chargés. Le pire qu'on ait à redouter, c'est les renverses. Si l'œil de la dépression passe sur nous, on est au plus près du centre et c'est là où les vents sont les plus forts en plus. Au centre, eh ben, vous avez des renverses de dingue. C'est souvent dans la renverse que la catastrophe arrive. Ben, quand on regarde par exemple sur Wingourou, ben, c'est pas si mauvais que ça, quoi. 37 nœuds en rafale, du 40 nœuds, mais en nord-ouest. Ça c'est très très bien, nord-ouest, nord-ouest. Donc un des avantages quand même de ce mouillage-là, c'est qu'on n'est pas nombreux. On va pas faire la piste de bowling, je vous l'ai déjà expliqué, quand il y a beaucoup de bateaux, si vous êtes bien accroché tout ça, et que le bateau d'en face n'est pas accroché, ou le bateau de derrière, et que le vent change, et ben, ce sera fini pour vous. Il n'y a plus qu'à attendre, il n'y a plus qu'à voir. Presque deux jours, trois jours, hein, ça va souffler. Banana, gros son de l'eau, passez une bonne nuit. On est resté deux heures éveillé, on s'est levé vers deux heures parce que le vent a commencé à souffler. Pas fort, c'était 15-20 nœuds, mais de suite ça nous met en alerte évidemment. Donc, on va attendre le nord-ouest avec impatience, qu'on devrait voir en fin de journée. Pour l'instant, regardez, ça se passe très très bien. Un bateau est arrivé ce matin qui s'est mis devant nous. Ça, on n'aime pas trop. Pas bien, ça. Et voilà où on en est ce matin. Ils annoncent du nord, mais ça va passer très très vite en fait là. Demain, de l'ouest. Une deuxième perturbation va nous apporter un flux de nord-ouest. Attention, ne remonte pas. Ne remonte pas, ça, le petit truc là. Vous voyez ça? Ça remonte, ça, c'est pas bien. C'est quoi ce bordel? C'est cette zone de convergence. On voit très très bien sur les arcades ce que ça fait. Vous voyez, ça monte, ça descend. Et une troisième, évidemment, sinon on s'amuserait pas hein, sur un bateau. Hein. Et ensuite, il va y avoir une petite accalmie, on dirait bien. On a du mauvais temps jusqu'au 12-13. Il est midi, c'est parti. Nous sommes dans la perturbation nord-est. Pour l'instant, tout se tient. J'aurais préféré du nord-est dès le début. 23 nœuds, il est annoncé en rafale 24, 25 nœuds. Hein. 24 nœuds. Nous sommes dedans. Voilà. Le Zoomers. Vous savez, hein, c'est la petite application qu'on regarde. Ça, c'est le prochain. Oh putain. Et là, c'est celui qu'on a là. On entend l'orage. Mauvais souvenir. Faites une petite prière, s'il vous plaît, dans votre canapé en nous regardant sur votre grande télé. C'est pour ça que je parais énorme. Parce que vous avez un grand écran. Mais tu m'emmerdes, je suis en pleine dépression là. Je suis en pleine dépression là, ok? Caché pour te calmer. Un Exomil, c'est pour. Hey! Un rhum. Mais non. Mais si pendant les dépressions, on mettait dans le sens de la dépression un Exomil ou un Xanax ou un truc comme ça, un Prozac, ça calmerait les dépressions. Ouais, c'est chaud, hein? Ouais, c'est le stress. 39. 31. 32. 32 nœuds, premier grain. Ça a tiré sur l'encre, je vais aller voir l'encre. Choupi est allé dans l'eau, il regarde. Moi, je surveille qu'il n'en chasse pas. Je surveille le bateau qui est devant. Donc, on reste vigilant, on surveille. Nos hublots ne fuient plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, Choupi revient. Ça a l'air d'aller. Bon, ben là, il va falloir tenir dans ce sens-là. Alors, ce qu'il disait Choupi, c'est que ben là, on n'est pas dans la meilleure des positions parce qu'en fait, on est face au large. Il y a Tahiti qui est par là, puis on attend que ça tourne, quoi. Ben, j'ai bien fait d'aller voir. C'était croisé, les deux étaient croisés. Celle de l'asphalte passait deux sous l'autre. 32 nœuds, tous les bateaux ont tenu déjà. Donc c'est une bonne nouvelle. Moi, je sais pas ce que j'ai foutu avec les bouts, pourtant, tiens, j'ai tout fait correctement. Il y a un courant de dingue qui nous évacue par la passe. Ça, c'est le sens de Blackie, comme ça.
Et en fait, le vent, il est comme ça, et Blacky reste comme ça. Et il y a un courant de dingue. Quand je suis parti voir l'ancre, ben, je me suis emporté bizarrement. Quand je dis tout le temps que le courant est plus fort que le vent, je me faisais embarquer. Quand je suis revenu, je dis putain, mais il y a vachement de courant. On va jouer 1, 2, 3, 6, juste qui c'est qui va. Pour savoir qui c'est qui va enlever les tuyaux d'eau dans les cuves. 1, 2, 3, 6, eau. C'est moi qui ai tout fait les papiers. Allez, tu y vas. Allez, tu y vas, Dodo. Allez. Allez. Bah ouais, mais il fallait pas perdre, c'est ce que je te dis. Fais une draps, tête de tigre. Vas-y, passe partout. On va refermer là. La porte. Salut! Mais t'es vraiment un salaud! Oh! Salut, bah dis donc, ma jacouille, qui s'est passé? T'es toute mouillée? Hein? Pourquoi? Crampineux? Hein? Super mal. Ça pique.